partie 3 ce matin, troisième vidéo. Donc, oui, c'est Chantal, tiens, tu la vois comme faux, parce que je veux pas prendre la place de toute la vidéo. Donc, je continue des vidéos que j'explique, on dit vulgariser, expliquer aussi. Du coup, c'est une matière que j'ai apprise, que j'ai aussi développée. Donc, ça m'en fait beaucoup, là, je vais faire une révision. Donc, Coralie est dans son corail, dans sa baguette magique. Elle apprend à parler, elle apprend à écouter, elle apprend à bouger, elle apprend à utiliser tous ses sens, les cinq sens. Donc, c'est pour ça qu'il y a des chansons qui sont très, très importantes. Les deux yeux, les deux oreilles, les deux épaules, les deux fesses, les deux genoux, les deux pieds pour danser. Donc, les petites chansons sont importantes. Du coup, on dit, ça se peut qu'un enfant, je vais lui donner des noms, que Gabriel, il comprend très bien la chanson Gabriel, mais il n'aime pas ça chanter, mais il comprend. Il enregistre tout ça. C'est très bien classé dans son bureau, on va appeler ça comme ça, dans son bureau. Mais il n'aime pas ça chanter, il veut pas être chanteur, lui. C'est pas ça qu'il veut faire dans la vie, chanter. Donc, mais il comprend tout ça. Donc, on dit jusqu'à quel moment que tout simplement on s'amuse. Fait juste amuser, c'est le fun, OK? Donc, les éducatrices en garderie, vous êtes là pour vous amuser, voir à la sécurité. Et puis, on dit le minimum du savoir de prendre soin des besoins de base. Le reste, là, on dit non, non, ça, c'est un enfant malade, il s'en va à l'hôpital. Ça, c'est pire, c'est un enfant qui va être hospitalisé en pédopsychiatrie. Et puis ça, c'est encore pire, c'est les parents vont être en prison ou bien vont être exécutés. Donc, au Québec, je l'expliquerai, là, il n'y en a jamais eu d'exécution au Québec. Fait que si tu calcules, là, à peu près en moyenne, là, s'il y aurait eu, il y a beaucoup de couleurs. Si on applique l'article